Il est 8h30, merci à vous d'être restés avec nous sur le plateau de la matinale. Aujourd'hui, c'est mardi le 19 avril et nous sommes donc encore ensemble jusqu'à 9h. Parmi les sujets dont nous parlons depuis 7h ce matin, il y a le 49e mondial de Montaigu. Il s'est fini hier, une compétition qui a pu se tenir sous le soleil avec 20 000 spectateurs et la crème des footballeurs de moins de 17 ans. Le palmarès, vous l'aurez dans quelques instants dès le début du journal. Le plus de l'info du jour, il s'intéresse au grand siècle jusqu'au mois de décembre. C'est tout le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Hilaire-de-Riez jusqu'à Comquiers dans les Terres qui commémore les 400 ans de cette période sous le règne de Louis XIII. Et puis nous partons du côté de Notre-Dame-de-Mont pour la chronique Asso. Le festival À tout vent a besoin de vous pour organiser sa prochaine édition tout début juillet. Mais comme les volets sont probablement ouverts de votre côté, on va regarder la météo et vous allez voir que c'est une Vendée coupée en deux aujourd'hui. D'un côté, plutôt dans les Terres, nous avons un ciel très couvert dès ce matin et des averses qui vont ponctuer donc toute cette première partie de journée. Ça va être à peu près la même chose d'ailleurs cet après-midi, vous allez le voir dans un instant. Et de l'autre côté, sur le littoral, eh bien, nous serons sur un temps là aussi très couvert, mais un peu plus sec. Cet après-midi, c'est le même topo, donc toujours un ciel bien chargé pour l'ensemble du département, mais des averses éparses qui seront réservées aux terres et moins de risques sur la côte. Et puis ces températures qui baissent par rapport au week-end que nous venons de passer, on va troquer les t-shirts pour des t-shirts à manches longues. Regardons les marées avec la mer qui est en train de baisser désormais puisqu'elle sera à son point le plus bas à 13h17. Et justement, après les grandes marées de ce week-end, vous voyez que nous avons toujours de beaux coefficients. Donc si vous voulez profiter de cette journée pour découvrir ou redécouvrir le Gouas, le chemin sera praticable 1h30 avant et après la basse mer de 13h17. La carte des marchés à présent, marché de Vendée de ce mardi, elle est précieuse si vous avez un petit peu de temps aujourd'hui pour aller vous promener à la rencontre des producteurs locaux. Cap-sur-Noir, Moutier-en-Lille, Saint-Jean-de-Mont, Brême-sur-Mer ou encore les Sables-d'Olonne si vous êtes sur la côte. Plutôt Dompierre-sur-Yon, Landron ce soir ou encore Saint-Laurent-sur-Sèvre cet après-midi si vous êtes dans le Bocage. Il me reste à souhaiter une bonne fête aux Emma, bonne fête les filles ainsi qu'aux Expédites. Je vous le donne en mille, c'est le saint patron des candidats au permis de conduire. On passe au journal. Et ce journal, nous le commençons donc sur les pelouses des stades du Nord-Vendée. Le 49e mondial de Montaigu s'est terminé hier, sous le soleil, face à un public venu nombreux pour renouer avec l'événement. Après deux éditions contrariées par la crise sanitaire, plus de 20 000 personnes ont fait le déplacement sur ces quelques jours de compétition. Au final, c'est le Brésil qui décroche la coupe du Challenge Nation masculin. Il a remporté la finale hier face à l'Argentine en s'imposant 2-1. Les Pays-Bas décrochent celle du Challenge féminin et Saint-Étienne s'est imposé dans le Challenge Club. Écoutez. La 49e édition était normalement une édition cool, mais c'est vrai qu'avec la qualité du plateau présenté, le nombre de spectateurs qu'il y a eu, qui était dans la semaine super intéressant, on a fini avec une belle finale, avec plein de monde autour du stade, on peut être que satisfait. Et c'est sûr que là, avec la présence des Brésiliens, des Argentins, des Mexicains, des Anglais, Portugais, c'est vrai que là on avait atteint un très bon plateau et ça s'est ressenti sur le terrain, parce que des fois c'est pas le cas, des fois des bonnes équipes, tout au moins de nom, mais qui ne rentrent pas comme ça sur le terrain. Le 49e mondial de Montaigu, c'est un sujet sur lequel 85 Ono reviendra évidemment largement aujourd'hui. Et puis en fin de journal, dans quelques instants, nous parlerons également de la Solo Maître Coq, dont la grande course s'élance ce mardi. Dans le reste de l'actualité, les images de ce rassemblement Place Napoléon, suite à l'appel unitaire lancé par plusieurs associations un petit peu partout en France. C'était samedi matin, au cœur de La Roche-sur-Yon, donc. Un peu moins de 80 personnes se sont retrouvées pour se mobiliser à une semaine du second tour de l'élection présidentielle. Le mot d'ordre, dire non à l'extrême droite. Il faut regarder le programme de Marine Le Pen, voir ce qu'elle prévoit comme, entre guillemets, traitement pour les organisations syndicales ou des associations de progrès social, et peut-être même aussi la façon de laquelle elle considère les journalistes pour se rendre compte des dangers. L'extrême droite, quand elle est au pouvoir, elle s'appuie sur aussi des groupuscules, des minorités, qui sont plutôt haineux et qui pourraient avoir tendance à agir de manière malsaine et violente à l'encontre de ces mêmes minorités, de ces migrants, mais aussi des syndicalistes et des militants associatifs.
pas très loin de là, au même moment, c'était le retour de la traditionnelle fête des plantes de l'asphodèle. L'événement peut paraître anodin, mais ça fait 20 ans que l'association propose aux jardiniers de rencontrer et d'échanger avec des professionnels à un mois des Saintes Glaces. Un peu plus de 20 ans même, puisque l'édition de l'année dernière avait été annulée. Alix Solanos. Les portes viennent d'ouvrir et il y a déjà beaucoup de monde dans les allées du parc du château des Oudéries. Beaucoup d'habitués de la fête des plantes, mais aussi des petits nouveaux qui découvrent la manifestation. Une bonne surprise, on s'attendait pas à autant, donc c'est le premier stand et on a déjà envie de craquer, donc on va bien voir ce que ça va donner. Il faut dire qu'il y a du choix. Producteurs, pépiniéristes, paysagistes, ils sont une cinquantaine de professionnels cette année à proposer leur production. Une production variée et originale, comme le souhaitait l'Asphodèle, l'association organisatrice de l'événement. Présenter des végétaux, des accessoires de jardin, etc. à un plus grand nombre et des choses qui ne sont pas qui sortent un peu d'ordinaire, qui ne sont pas forcément très courantes. Hein. Vous verrez, il y a des collections de fuchsia, parce qu'on est à côté, avec des géraniums de collection, mais aussi une librairie spécialisée, des vendeurs bio de plants potagers, etc. etc. quoi. Mais ce qui plaît ici par-dessus tout, c'est le contact et l'échange avec les professionnels. C'est avant tout ce que recherchent les acheteurs. Je trouve qu'il n'y a pas un aspect commercial financier, il y a un aspect convivial, d'échange, partage de savoir, de bonnes pratiques. On déniche des petites variétés peu courantes. Voilà. Puis la bière est sympathique. On adore et on a été bien contrariés que pendant 2 ans on ait été privés. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement ? Tout, c'est ça le pire. L'ambiance. L'ambiance aussi, la gentillesse des gens, pouvoir discuter avec les professionnels, c'est vraiment sympa. Ici se côtoient donc des jardiniers en herbe ou plus aguerris, tous prêts à partager leurs petits secrets. Moi, disons que c'est la convivialité entre les amis du jardin, un échange, c'est très important. Parce que l'expérience de chacun, puisqu'on a tous des spécialités. Soleil et bonne humeur étaient bien réunis pour la 20e édition de la fête des plantes, toujours placée sous le signe de l'échange et de la convivialité. Et pour mémoire, donc, nous parlions des Saintes Glaces il y a quelques instants. Sortez les agendas, c'est du 11 au 13 mai prochain. D'ici là, si vous êtes en congé, vous profitez peut-être de ces quelques jours pour faire du vélo, y compris en famille. Eh bien, c'est là qu'il est important de se souvenir qu'on ne roule pas n'importe comment sur la route, qu'il y a des réflexes à avoir à deux roues comme en voiture. Une conduite qui s'apprend notamment à l'école. Le pays d'Océan Marais de Mont organisait justement la finale intercommunale de la prévention routière juste avant le début des vacances. Alexandre Debray. Léa, c'est une verte. Ah, les portes! Ils sont une vingtaine venus tester leur habileté au vélo. Ces élèves de CM2 participent à la finale des 11 écoles primaires de la communauté de communes Océan Marais de Mont. Derrière la compétition, le but est de renforcer leur connaissance et leur maîtrise du deux-roues. C'est dans la volonté de pouvoir que les enfants soient autonomes sur la route, donc qu'ils sachent non seulement tenir sur leur vélo, mais qu'ils sachent prendre conscience des dangers et du bon comportement à avoir dans certaines situations. Un enjeu d'utilité publique pour cette communauté de communes aux nombreuses pistes cyclables. Chaque année en France, plus de 60 000 cyclistes terminent aux urgences. Apprendre à rouler en vélo, c'est tellement indispensable quand on voit les comportements parfois peu responsables de nos cyclistes sur nos pistes cyclables. On est content que les enfants apprennent à rouler en vélo. Perdu zéro pour les Verts! Cet atelier permet aussi de se rapprocher de l'APER, l'attestation de première éducation à la route, remis à la fin du primaire. Mais au-delà du diplôme, les enfants sont heureux de se retrouver entre amis le temps d'une journée. Ça me plaît bien, ça me met au défi et puis j'aime bien les défis. Et puis le vélo, c'est bien, même si j'en fais pas en sport, j'adore le vélo. Il faut faire attention sur la route parce qu'on peut avoir un accident et tout. Et rigolo parce que faire du vélo à l'école avec les copains, c'est drôle. Je m'attends que si j'ai un bon résultat, mes parents me font assez confiance pour pouvoir me balader toute seule. Le vélo, ça peut être risqué parfois quand on roule trop vite sur la route ou quand on ne prend pas assez de sécurité. Du coup, moi, je trouve ça important. En plus des parcours techniques, les écoliers ont répondu à un questionnaire pour bien comprendre le fonctionnement de leur monture.
Quand je suis dépassée, je ralentis, je serre à droite, j'accélère et je serre à droite, je reste à la même allure et je serre à droite. Donc là, par exemple, c'est la troisième réponse qui est correcte. Donc ça va départager en fonction des réponses qui auront été apportées par les candidats. À l'issue de la journée, deux jeunes sont sélectionnés pour la finale départementale. Rendez-vous le 22 juin à Saint-André-Gouldois. Et nous allons terminer ce journal en revenant sur deux faits sportifs vendéens marquants du week-end. Le premier, c'est sur la pelouse des Herbiers, car tous les événements foot ne se passaient pas qu'à Montaigu. Rencontre les Herbiers Bourges, donc dans le cadre de la 25e journée nationale 2. Elle se solde par une défaite pour les Vendéens. Le VHF s'est incliné 1-0 avec un but de Bourges sur pénalty à la 43e minute. Il reste maintenant 5 matchs pour essayer de finir la saison en beauté. On est forcément très déçus. On aimerait bien finir à domicile pour notre public, même pour l'équipe. Voilà. Bon, c'est un match qui n'a pas tourné dans notre sens. On va se projeter déjà sur le suivant. Mais il faut retenir ce qu'on a fait de moins bien. Voilà. Les erreurs qu'on a, où on a concédé ce pénalty à la fin de la première mi-temps. On se retrouve mené et derrière, on s'est un peu frustré et on a tapé dans un mur. On n'a pas réussi à le contourner ou à le perforer. Maintenant, on va... se remobiliser voilà, ensemble et faire en sorte qu'on redémarre une dynamique sur ces 5 derniers matchs. Et puis de la voile avec le départ aujourd'hui de la grande course de la 19e solo maître coq, la solo. Eh bien, c'est la première course de la saison pour la classe Figaro Beneteau. Les 33 engagés s'apprêtent à partir autour des îles de Ré, Yeux et Belle-Île. Le retour des premiers est prévu jeudi. Il y aura ensuite des parcours côtiers au large des Sables d'Olonne. Écoutez. Cette année, on a 33 participants donc pour la 19e édition, donc c'est bien. Il y a eu un énorme renouveau dans la classe, donc beaucoup de nouveaux, beaucoup de bisous, peu d'anciens. On en a une petite dizaine seulement, voilà. Donc la bagarre va être serrée devant parce que ça va rien lâcher, hein, le niveau est toujours aussi haut. Donc on a deux jours de course inshore, donc dans la baie des Sables, et on a une grande course de 2-3 jours pendant lesquels, qui correspond à peu près à une étape de Figaro, de la solitaire. Donc comme ça, les skippers peuvent commencer à se roder sur une étape type de la solitaire. Et voilà donc pour les informations de ce matin. On va se retrouver maintenant juste après la minute positive pour le reste des chroniques de ce mardi. Et d'ici là, eh bien, en route pour la nouvelle vie du ciné de la Châtaigneraie. Regardez. Voilà les belles images. Après quelques mois de fermeture, la salle Belle Épine propose de nouveau des séances de cinéma pour le plus grand bonheur du public. C'était temps que ça reprenne, ça nous a manqué. Parce que pour les vacances, les mercredis, c'est intéressant pour les enfants. Non, très content. Puis même pour nous, les adultes, le dimanche, ça peut être une petite sortie quand il ne fait pas beau. Pendant plus de 20 ans, c'est l'association Famille Rurale qui a fait vivre ce lieu, mais la pandémie a eu raison de leur enthousiasme. La mairie, à qui appartient la salle, s'est alors tournée vers Frédéric Arnault pour qu'il relance ce cinéma. Déjà à la tête de plusieurs salles en Vendée et dans les Deux-Sèvres, il a bien voulu relever le défi. C'est pas tous les jours qu'on ouvre une salle de cinéma. On a été trop confinés, donc on a envie de partir, de sortir, de partager, et on le voit. On le voit, nous, au fauteuil rouge à Bressuire. Samedi dernier, on a rempli avec Super-Héros malgré lui. Voilà, on remplit encore les salles. Donc les gens n'ont pas peur de venir dans une salle de cinéma. Pour le bon fonctionnement de la salle, un appel aux bénévoles a été lancé. Et déjà une quinzaine de personnes a répondu présent. Faire revivre ce cinéma, pour moi, c'est très important. On ne pouvait pas faire sans cinéma. Il fallait aller à Fontenay ou Chantonnay, avoir une salle de cinéma, je pense que ça devrait marcher, ça ne peut que marcher. Là, c'est pour le baisser, et là, c'est pour l'arrêter. Okay. Donc, t'appuies là, et tu vois l'écran là-haut. Pour cette première, l'équipe de bénévoles prend ses marques. Et pour ce qui est de la programmation, les films seront projetés ici entre 1 et 3 semaines après leur sortie nationale. Là, on est en cours d'un geste. Tous les films, on les récupère donc sur Bressuire, ce qu'on appelle en dématérialisé. Donc, on a différentes plateformes comme Globecast ou Cinego. En fait, on télécharge tous les films et ensuite, les distributeurs nous envoient les KDM pour pouvoir décrypter les films. On va essayer de faire 3 films par semaine avec un film grand public, un film pour enfants et un film plus art et essai. Classé art et essai, ce cinéma peut accueillir 150 personnes.
D'ici quelques temps, le hall d'accueil devrait faire peau neuve et proposer pop-corn et confiserie. Et le temps file, il est 9h moins le quart maintenant sur le plateau de la matinale. On va faire un petit cours d'histoire maintenant. Et oui, c'est pas parce que c'est les vacances qu'on n'a pas le droit de parler d'histoire. C'est le sujet de notre plus de l'info aujourd'hui. Nous partons pour une plongée dans le XVIIe siècle au pays de l'île de Riez. Jusqu'au mois de décembre, tout le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, de Saint-Hilaire-de-Riez jusqu'à Comquier dans les Terres, commémore les 400 ans du grand siècle. Regardez. En 1620, 1621, 1622, nous avons affaire à trois campagnes militaires du roi contre les protestants du sud-ouest. Et le moment phare, le moment clé de cette période-là, c'est vraiment l'île de Riez, où les armées protestantes de l'ouest vont être battues ici, entre marais et dunes de l'ancienne île de Riez. Donc la Besse, qui n'existe plus, une rivière qui séparait les îles de Mont et de Riez en 1622, où là, le roi de France a pris un risque inouï de franchir cette fameuse Besse à marée basse pour pénétrer dans l'île de Riez, avec derrière, sur l'autre rive, la possibilité de ne plus se replier puisque la marée était montante. Et c'est cet épisode qui a fondé la gloire du roi en 1622. Nous avons là, en 1622, un épisode de notre histoire avec une portée extraordinaire. Le retentissement artistique et littéraire autour de cette bataille a été vraiment important. C'est une bataille oubliée tout simplement parce que l'ancienne île de Riez n'existe plus. Pour les historiens, les historiographes du 19e siècle, l'île de Riez, ils ne savent pas où elle est. Ils la confondent bien souvent avec l'île Dorée en Charente-Maritime, très proche. Et donc on a à la fois une méconnaissance de la géographie et puis de l'histoire. C'est un fait d'histoire que nous pouvions, que nous devions de vraiment d'aborder. 1622, 2022, cette bataille de Riez qui va se dérouler ici au pays de l'île de Riez. 2022, c'était l'occasion de reparler de Louis XIII. C'était aussi permettre à tout un chacun de redécouvrir ce fait d'histoire. Alors, du 20 avril au mois de décembre de cette année, on va conclure avec une pièce de Molière, un petit peu dans l'esprit moderne. On a trouvé qui se jouera à la balise. Chacun va trouver un petit peu ce qui l'intéresse dans tout ce programme très, très, très riche. Tout est fort. Voilà, ce ne sont que des temps forts. On a essayé de traiter le plus large possible ce grand siècle et Louis XIII, bien sûr. Et justement, demain à 18h au Casino de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, eh bien, l'historienne Françoise Hildesheimer tiendra une conférence sur le grand siècle de Louis XIII. Nous, on va maintenant rester dans le coin pour la chronique Assaut du jour. Après un voyage dans le temps de quelques siècles, nous allons maintenant nous projeter de quelques mois. Notre-Dame de Mont prépare une nouvelle édition de son festival à tout vent. Ce sera du 1er au 4 juillet. Un grand rendez-vous pour les amateurs de cerf-volant. Et d'ici là, eh bien, l'association cherche quelques bonnes volontés pour rejoindre ses rangs. Bonjour, bienvenue à Notre-Dame de Mont. Nous sommes à Notre-Dame de Mont pour parler eh bien, d'un futur festival. Enfin, futur, il est bien ancré dans le territoire, mais c'est son retour cet été, comme chaque été. C'est le festival à tout vent. On n'est pas sur la plage pour en parler, mais on est avec le vent, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah oui, le vent, on n'en manque pas en Vendée. Alors, le festival à tout vent est un festival qui, comme vous venez de le dire, excusez-moi, est vraiment ancré sur le territoire. Et c'est l'un des plus grands festivals de cerf-volant de la côte atlantique. En 2019, on a accueilli 60 000 visiteurs. Alors, je vous l'accorde, la crise Covid ne nous a pas aidés, mais on a pu maintenir l'édition 2021 et surtout, on a hâte d'accueillir de nouveau nos visiteurs pour l'édition 2022.
On sent votre enthousiasme en tout cas au retour de ce festival. Par contre, ça nous pose la même question que chaque association. Il est où votre besoin de bénévoles? Parce que les cervolistes sont autonomes. Ah oui, les cervolistes sont autonomes une fois qu'ils sont sur la plage. Mais il faut bien créer tout l'environnement pour qu'ils puissent passer un bon moment à Notre-Dame dans le cadre du festival. Donc des bénévoles, on a besoin de beaucoup de bénévoles et de profils très différents. On a différentes missions à leur proposer. Des missions liées à la restauration, comme la préparation des desserts. Les cervolistes sont gourmands eux aussi. Le service des repas, le tri des déchets et également la livraison des repas. On va avoir également besoin d'encadrement des zones de vol de façon à ce que tout le monde puisse passer un bon festival en toute sécurité. Et puis certains de nos cervolistes invités viennent de l'étranger et on a besoin de quelqu'un qui puisse les amener de leur lieu d'arrivée jusque sur le site du festival. Donc il y a toute cette question de management, à la fois sur la restauration, sur la livraison aussi des cervolistes, vous me pardonnerez l'expression. Mais il y a aussi, j'imagine, du plaisir à partager tous ces moments ensemble. Comment ça se passe dans l'équipe de bénévoles? Alors, généralement, dans l'équipe de bénévoles, il y a une bonne ambiance. Tout le monde profite du spectacle, puisque le festival, on en propose une version jour et une version nuit. Et puis, il y a vraiment une très belle ambiance. C'est le début de l'été, les beaux jours, les gens sont là en vacances ou en week-end. Donc il y a vraiment le plaisir de vivre cet événement tous ensemble, de partager des compétences, des connaissances. Bref, c'est vraiment des bons moments que l'on passe tous ensemble. Des bons moments qui sont donc prévus entre le 1er et le 4 juillet sur la commune de Notre-Dame-de-Mont. Place à l'extrait du jour. Et je vous propose de chanter cette semaine dans Backstage. La troupe Imagine de Mouilleron le Captif est venue à la rencontre de David Auvinet pour présenter son nouveau spectacle, une comédie musicale qui reprend un classique de Disney que vous devriez vite reconnaître. C'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume animal. C'est bien la première fois qu'on voit un roi avec si peu de poils. Je veux faire dans la cour des grands une entrée triomphale, en poussant très royalement un rugissement bestial. Majesté, tu ne te mouches pas du cou. Je voudrais déjà être roi. Jusqu'au ciel, les animaux répandent la nouvelle. Simba sera le nouveau roi soleil. Je voudrais déjà être roi. Je voudrais déjà être roi. Je voudrais déjà, être roi. Et Hakuna Matata, c'est à la Longère de Beaupuy les 29 et 30 avril ainsi que le 1er mai. La billetterie est encore ouverte. Un point sur deux des principaux titres développés depuis 7 heures ce matin avant de refermer cette matinale. Brésil, Pays-Bas, Saint-Etienne, c'est le trio gagnant à l'issue du Mondial de Montaigu. La crème des joueurs de foot les plus prometteurs était sur les pelouses du Nord-Vendée depuis quelques jours. Une 49e édition qui a permis de renouer avec l'événement après 2 ans de rendez-vous un peu contrariés. Le Brésil remporte donc le Challenge Nation masculin, les Pays-Bas son homologue féminin et puis Saint-Etienne remporte le Challenge Club. Et puis là aussi, la météo était de la partie. Elle a permis un retour en grande pompe de la 20e fête des plantes de l'Asphodèle. C'était ce week-end à La Roche-sur-Yon. Un rendez-vous pour tous les passionnés de jardinage sur les pelouses des Oudéries. 60 exposants samedi matin en plein air pour tous. L'occasion d'échanger des conseils, mais aussi des sourires. On passe au jeu de la matinale. Avec une question qui va nous permettre de nous replonger un petit peu dans le sud Vendée, dites donc. C'est un reportage qu'on vous a diffusé ces derniers jours dans les JT de TV Vendée. Quelle est cette race de chien sélectionnée pour concourir dans la Coupe de France des chiens de troupeau?
Voilà, vous le voyez à l'écran. Quelle est cette race de chien sélectionnée pour concourir dans la Coupe de France des chiens de troupeau? C'est plutôt facile hein, si vous êtes amateur de chiens. L'indice du jour, c'est un chien venu du Royaume-Uni, principalement d'Écosse et d'Angleterre. Et à la clé, eh bien, il y aura un gagnant parmi vous qui repartira avec deux laissez-passer pour aller à la découverte des maisons natales Clémenceau et de Lattre, c'est-à-dire le musée Clémenceau de Lattre à Mouilleron-Saint-Germain. On va se quitter en musique avec Tricot Combo, puisque c'est le groupe gagnant suite à notre petit sondage sur les réseaux sociaux de TV Vendée. Le premier morceau découvert de la semaine, c'est Mon coin à champignons. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve demain en direct dès 7h. À demain. Champignons, y'a des mecs, y'a des pieds de mouton.